Ma femme m'avait quitté à Noël, ma mère était morte, mon bistrot préféré, le Dolomol, fermé, et ma fille m'avait traité de vieux. Là, j'avais besoin de nouveaux défis. Comme j'ai toujours voulu faire de l'animation culturelle en milieu hostile, ça tombait bien. Grenet me semblait un bon début. Bonjour, je m'appelle Yann Bucois, je viens à la rencontre des gens de Grenet et je leur demande de donner quelque chose auquel ils tiennent pour mettre dans une loterie, une roue de la fortune, c'est eux. Bonjour. Vous avez été heureuse ? Non. Il me manque énormément. Je les ai portés, je les ai pas vus. Est-ce qu'on peut rentrer ? Non, merci, c'est gentil. Au revoir. Non, merci, monsieur. Je vais jamais là-bas. Et donc, je fais la redistribution des richesses. Donc, je viens chez les gens prendre quelque chose qui leur appartient, enfin, qu'ils veulent donner, pour mettre dans une loterie pour montrer qu'on peut redistribuer les richesses. Passer à la salle Ronnie Couture. D'accord, merci. Il y aura un film aussi. Je suis votre sauveur. Je viens sauver le monde. Putain, mais ça devient cato, mon truc. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'était la redistribution des richesses. Le spectacle, c'est jeudi. D'accord, merci. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Oh bah, et bien bonne journée, bon courage. Il a encore un beau cœur aussi. Hein. Je sais pas si je peux te donner mon numéro. Hein. Bah ouais, donne-le-moi. Quelqu'un a bic. Vous avez l'autre nuit ? Ouais. Un cendrier, ça va ? Différence. Mais enfin, elle a quand même 63 ans quand même, elle est quand bien pour son âge. Hein. Je me plains pas. Hein. Donc non, c'est pas mature. Vous avez sur la côte, les gens ils sont en maillot de bain. Quand on met une jupe à la place d'un maillot de bain, ça fait pas le même effet. La culture est vraiment en plein milieu de la cité. Et c'est pas rien quand même. Hein. La région qui tombe à droite, ça pose un problème. Pas de politique. C'est pour ça que moi je suis élu, c'est que les gens sont de plus en plus avec moi, parce que je vois que la commune, la mairie, se prennent pour des riches, et en fait, compte, non, c'est de l'enfumage, c'est que des dettes. Et les banques n'ont pas fait de cadeaux. Donc là, il y a eu en effet une période financière difficile, mais depuis 10 ans, on n'a fait aucun emprunt. J'en ai marre d'entendre des gens qui disent « Ouais, enfin bon, on fait ça, on fait ça, alors pourquoi vous faites ça ?»« Ben, ah, parce que c'est pour les enfants, plus tard. » Et plus tard, c'est terminé, quoi. Plus tard, on peut tomber là. Moi, je peux tomber là. Là, je me sens pas très bien. Oula, tu vas plus s'arrêter, moi. Le 32. Oh là là là. Merci. Le... Ah, ça va. Ouais, Joe. Allez. Quand t'es venu, tout. Merci. Les gens du Nord. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qui n'ont pas dehors. Est-ce
les gens du Nord ouvrent toujours la porte à ceux qui ont souffert. Les gens du Nord n'oublient pas qu'ils ont vécu des années d'enfer. Si leurs maisons sont alignées, c'est par souci d'égard.